Parce que Delta, lorsqu'il est représenté, ouais, il y a A moins B fois A plus B égale 0. Qu'est-ce qu'il y a dans la mamie là-bas? C'est quoi ton problème avec la mamie? C'est tout ouvert. Ah, la mamie est tout ouvert. Et comment c'était ouvert, ça fait encore les bruits? J'ai voulu arranger ce bout, ça fait pour long. Ah ok, c'est bien. Donc parce que... Mais qui a mon ouvert ça? Ah, tu viens d'où? Il y avait encore quel souci? Mon père, je traverse des moments difficiles. Les gens veulent tuer le métier ici. Nous, on a fait le duo à Fumbal, on a réussi. On est allé au l'hôpital de Papa Sokondou, là c'est où? Bamedjou. On n'a jamais été, on n'a jamais eu un problème à Bamedjou pour le tuyau. On a travaillé sur les bassins à Douala, on n'a jamais eu un problème. On est arrivé à un village ici, on enterrait un Nelly. Je suis arrivé avec mes éléments. Un Nelly, quelqu'un qui était riche. Mais 17 heures, la gentillesse était à un autre niveau. Oh gars, c'est comment? Oh gars! Mais 17h30, ça a commencé à baisser quand on a mis les mamies de feu. J'ai supporté avec mes gars, je me suis dit que bon, peut-être, comme le feu, ça chauffe. Hein? Quand on va préparer, la nourriture serait prête, il y aura, ça va encore monter. Mais t'assures que je suis ressorti de ce village, sans rien emballer. Mais il y a les bouteilles là-bas dedans. Je dis qu'il n'y a rien dedans, voilà les bouteilles. Si je marche avec mes bouteilles, que si il y a boisson, je laisse les bouteilles, je pars avec la boisson. Je suis reparti de là sans rien emballer, piment. Maintenant, je veux savoir ce que tu as fait les mathématiques. Et je veux que tu étends ton affaire de mathématiques là dans le domaine de la consommation. Comment connaître une famille qui est riche? Avant de se rendre dans les événements. Oui, oui, parce que j'ai perdu mon temps là-bas. J'aurais dû aller où on enterrait ta mot. Le gars qui enlevait les poches chez les gens, non? C'est qu'on a tapé le type tout ce qu'on a tué. Et le jour où on l'enterrait, la viande du porc, c'était la magie comme ça qui lance. Tu entends que Eke, non? Je vois. Non, Eke qui est venu là, c'est ses enfants qui volent les poules. Très bien. Maintenant, ce que nous allons faire, je crois que ce problème relève de la mathématique, de la science-fiction, du duc, le noir que. Parce qu'il y a des personnes qui ont le cœur noir comme le bout des seins d'une femme qui vient d'accoucher. Tu vois? Et quand ces personnes organisent les événements, leur cœur reste pareil. Maintenant, comment détecter ces personnes-là à distance? Hein? Détecter ces personnes. Ces personnes d'abord, comme ça relève de la mathématique et de la physique. Des sciences de consommation. Oui. Voilà. Soit X. Hein, parce qu'on va trouver la solution dans une fonction L exponentielle. Non, mais il n'y a rien dedans. Dans une fonction exponentielle LN. LN, tu vois. Soit X. L'événement. Donc X qui désigne l'événement des personnes dues de cœur. Et Y, les consommateurs. Maintenant, parmi les consommateurs, on va détecter deux types de consommateurs. Il y a les consommateurs qui trouvent plaisir lorsque les autres n'ont pas consommé. Et d'autres qui trouvent plaisir à consommer, ils s'en foutent si les autres ont consommé ou pas, comme toi. Non, ne prenez pas, ne même pas trop loin. Tu sais que notre domaine, ce n'est pas seulement consommer là, mais c'est emballer. Emballer, oui. Ça veut dire consommer là, c'est rassurer si les autres au quartier ont mangé. Voilà. Très bien. On a dit X, les organisateurs, Y, les consommateurs. Maintenant, comment comprendre que X moins Y donne 0, ça veut dire que les deux ne s'entendent pas. Pour ça, on est obligé de venir dans le logarithme népérien. Logarithme népérien de l'organisateur de la fête. On dit ln de X. Ça donne ln de X. Je constate que tu utilises trop les X. Les X. Ça, à quoi ça renvoie? Non, laisse, il n'y a pas les filmés ici là. Ce ne sont pas les X. Tout pour toi c'est X. Tout pour toi c'est X. Je ne sais pas. Les mathématiques, c'est l'inconnu. En fait, X représente celui qu'on ne sait pas. On est en train de vouloir trouver. Ln de X. Ln de Y. Logarithme népérien. Ln de X. Moins
ln de y, tu vois, y ça veut dire le logarithme ne fait rien du consommateur. Le logarithme ne fait rien du consommateur. Moins le cosinus du coquille. Le cosinus. Voilà, le cosinus du coquille. Cosinus. Voilà, cosinus du coquille, ça veut dire cosinus de K égale 0. Ça veut dire cosinus du coquille. Parce que ça veut dire que le coquille peut influencer dans la mentalité de l'organisateur de l'événement et du consommateur. Ça veut dire que le coquille, en principe, c'est le coquille qui amène les gens à être chiche. Voilà, le coquille, l'odeur du coquille. L'odeur du coquille. Ça veut dire que le coquille est exclu dans les événements. Parce que les... Et j'ai constaté quelque chose, mon prof. Tu arrives comme ça quelque part, dès que la femme sent que la famine t'a attaqué, elle met le string sur dessus de la mamie pour que tu aies les nausées. Il y a pas une femme qui est-ce que tu sais que le string que tu mets là, le même string, les gens se pugent avec. Très bien. C'est donc dit que l'organisateur LN qui vient ici, là, si on prend le cosinus du coquille. Conus. Conus. L'onus. La nuit. La nuit. La nuit. Cosinus du coquille plus le sinus. Le sinus du string. Le string qui devient S ici là. Hein? Plus le sinus du string pour le décourager. Pour décourager les consommateurs. C'est ça qu'on appelle le sinus. Égal à la tangente sisongoïdale. La tangente sisongoïdale, c'est C. Parce que c'est ça. Ça veut dire que le cosinus du coquille de l'organisateur, hein, plus le string, ça veut dire qu'on pose le string au-dessus pour décourager le consommateur pour qu'il prenne la tangente. Non, mais moi, c'est où, bah? Pourquoi vous avez pris le coup de pied? Vous avez pris le coup de pied? Vous avez pris le coup de pied? Vous avez pris le coup. On voit que qui nous prend combien de bouteilles là, il nous prend du bien. Pas posé comme que nous avons de calculer. Non, mais pas que comme la mamie au feu, avant que tu en prennes du bien. C'est quoi que tu as mis au feu? Non, laisse, on va finir les calculs. Allez, attends, bien. Okay. Attends. Hein? Non, il faut les temps finir d'abord les calculs. Ferme la mamie. C'est la viande du pou. Non, ferme la mamie. Bah, on finit d'abord les calculs. C'est quelle sauce? Non, laisse la mamie. Ouais, ce n'est pas le tuyau ici là, ce n'est pas la fête. Tu sais que chaque chose doit d'abord commencer. Avant que moi je critique les autres, il faut que toi-même tu me démontres que tu n'es pas les autres. On calculait. Maintenant là, il faut calculer pour savoir si moi-même j'ai le cœur généreux ou pas. Moi-même, je ne suis pas encore, comme je n'ai pas encore calculé là. Il faut laisser d'abord le poisson. C'est mieux qu'il y a le bas ici là. Qu'on aille ensemble. On va revenir pour. Mais laisse-moi au moins tester le sel. Tester le sel. La cuillère même où là? Ah! Moi, que j'étais sur le sel, mon frère, fais quoi avec la nourriture? J'ai été combattu chez un élite. Tu crois que c'est ici qu'elle veut faire quoi? Sans compter qu'il fait le riz, il veut jouer à la dangerosité. Non, c'est pas le sel suffit, il n'y a pas de problème avec le sel. Ça t'a brûlé. C'est quelle sauce? Ah, c'est le bouillon, c'est le bouillon. Bouillon au quoi? Ah, c'est le bouillon au poisson. On appelle ça les bouillons de poisson. Je sais. C'est le kanga. Voilà. C'est le kanga. Prof, oui. Tu es quelqu'un de bien. Oui. La mathématique que tu m'as donnée ce soir. Oui. On va plutôt l'enfant nous prendre le pain. On assaisonne, on prend ça avec. Le pain, hein? Oui. Le pain, est-ce qu'il y a même l'argent? Mais comme tu es venu avec là, tu veux seulement l'argent de la bière là, c'est mieux comme. Allons donc chercher le pain pour venir attaquer ça. Prends le pain avec, c'est mieux. Mais. Non, ferme, ouvre. Et tu prépares sur un fou qui est doux. Non, ça va, il y a pas. Il y a des fous qui sont à la fumée. Celui-ci est tellement tranquille. Non, il n'y a pas. Sauce à l'état brut. Alors.